Bonjour Christophe, j'habite l'Ermitage depuis 2013. Bonjour Alain, j'habite l'Ermitage depuis 20 ans, depuis 2001. Et voilà, donc dans le cadre du budget participatif, on vous proposait un projet concernant un pump track. Donc on est actuellement sur le site qui permettrait de mettre en place ce projet. Et on va vous expliquer ce que c'est qu'un pump track. Donc un pump track, c'est un circuit pour le vélo en terre avec de multiples bosses qui permet de circuler dans un endroit naturel en général pour tout âge. L'avantage de ce circuit-là, c'est qu'il permet de circuler dans la nature. Et on a différents niveaux de difficulté, mais c'est toute génération. On a fait appel à une entreprise du secteur, c'est une entreprise de Tréfindel qui s'appelle Petrac. Vous pourrez trouver tout un tas d'informations et de photos. Ça vous permettrait de voir à quoi ça ressemble un pump track. Et ils en ont effectué un certain nombre dans le secteur. Et c'est leur spécialité. Donc ça nous permet aussi de mettre en place quelque chose en toute sécurité, de ne pas se lancer dans un projet sans tenir compte de toutes les normes éventuelles par rapport à l'accessibilité et surtout pour que l'ensemble des ermitageois puissent y aller, que ce soit des enfants de 3-4 ans. À partir du moment où on a accès au vélo, ça restera accessible à tout le monde. Et puis ça peut être un moment d'échange aussi, c'est réservé aux professionnels ou aux débutants. Et il peut y avoir un échange avec un professionnel qui peut aider un débutant. Enfin, il peut y avoir plusieurs échanges à ce niveau-là. Ça permettrait éventuellement aussi aux écoles de faire des premiers apprentissages pour la notion d'équilibre, la notion de vélo tout simplement, puisqu'on est sur un terrain qui est assez bosselé. Donc on sait très bien que la difficulté, on a tous commencé par là au début à faire du vélo. La première difficulté, c'est de tenir l'équilibre. Et sur ce type de circuit, ça permet effectivement de travailler tout ce genre de difficultés et d'apprentissage au départ. En partant du principe que le projet vous plaira, on vous accompagnera si besoin dans toutes les questions et les réponses qu'on pourrait donner. Et puis, votez pour nous.